dans une vie de dégustateur, à un moment donné, on déguste une bouteille et on se dit, c'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est le top. Le concours avait lieu à Paris, à la porte de Versailles, et j'ai téléphoné à ma mère, on a la médaille d'or. Voilà. La création du champagne a été une véritable rupture technologique. C'est une passion, c'est un puzzle. C'est pas l'alchimie, hein. Surtout c'est pas l'alchimie, hein. J'ai horreur de l'alchimie. Tous les 25 ans, il y avait une guerre. Nous sommes un peuple marqué par les guerres. C'est l'année de toutes les peurs. La Champagne est à la limite de la culture de la vigne. Lorsqu'il pleut, comme c'est le cas, si nous ne sommes pas très attentifs, nous n'allons pas à la vendange. Il y a une espèce de paradoxe entre le drame que l'on vit et la manière de célébrer. Boire du champagne, avant tout, c'est partager un plaisir, c'est se faire plaisir. Et il y a un côté érotique dans le partage d'un peu de plaisir. C'est naturel. Toute notre peine est gommée devant une dégustation où on voit les gens. Le champagne, très tôt, a compris l'intérêt de l'associer à un état d'esprit, ou c'est la fête, la célébration. Qu'est-ce qu'on va boire avant un repas? On pense au champagne.